Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Comme 2020, nouveau directeur général à la police nationale d'Haïti a remplacé Ramon Ami qui passait 14 mois dans tête PNH là. Ancien militaire et ambassadeur Haïti dans l'OEA, Léon Charles était déjà occupé pour ça en 2004. Tabler un climat de sécurité et la paix dans le pays, c'est la principale mission de Léon Charles. Premier ministre, qui c'est en même temps chef conseil supérieur de la police nationale, dit des dispositions qui prend dans le niveau d'État pour faciliter le nouveau dossier PNH là fait travail. Au niveau du budget 2021, nous avons passé le budget de la PNH à 16,8 milliards de gourdes au lieu de 11 milliards de gourdes de l'exercice antérieur. Ceci est une augmentation de près de 6 milliards de gourdes. À lui seul, le budget de la PNH représente deux fois plus celui du ministère de l'Agriculture. C'est pour prouver toute l'importance accorde le président de la République à sécuriser le pays. À côté de ce budget, un contrat vient d'être signé avec l'hôpital Bernard-Meuse pour permettre à chaque policier et policière et quatre membres de leur famille de bénéficier d'une assurance pour les urgences médicales en plus de celles octroyées par le FAPMA. 150 motos et plus d'une soixantaine de véhicules tout-terrain sont déjà livrés à la police nationale, tandis qu'une commande de 150 véhicules est en cours d'être livrée. L'équivalent de 1,5 million de dollars américains a été décaissé pour doter les policiers de nouvelles uniformes. Nous avons également lancé la construction de 690 appartements à Delma 75 au profit de nos vaillants policiers. C'est dans la date 13 novembre 2020, arrêté pour nommer nouveau DG à la police nationale d'Haïti a publié le journal officiel Le Moniteur. Bienvenue à cette cérémonie de prise de fonction du nouveau commandant-chef de la police nationale, M. Léon Charles. Du coup, j'en profite pour saluer le départ du commandant en chef Normile Rameau, à qui je souhaite du succès dans ses entreprises futures. En date du 12 novembre 2020, le président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, a fait choix de M. Léon Charles comme nouveau commandant-chef de la police nationale. Permettez de vous présenter amplement le commandant-chef de la police nationale. Léon Charles est un cadre de la fonction publique qui, au cours de ses 29 ans de service au sein des forces armées d'Haïti, de la police nationale d'Haïti, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et du ministère des Affaires étrangères et des cultes a œuvré pour le renforcement des infrastructures de sécurité du pays. Militaire, policier de formation et diplomate de profession, il a touché du doigt les problèmes récurrents de la société haïtienne et s'est rendu à l'évidence qu'Haïti a grandement besoin de l'attention soutenue de ses filles, de ses fils et filles. Pour l'identification des causes profondes de ces malheurs et la recherche des solutions adaptées à la complexité de la situation politique, économique et sociale. Monsieur Léon Charles est aussi un fervent défenseur de l'approche selon laquelle la stabilité politique est indispensable au développement économique et social durable du pays.
doit nécessairement passer par une mobilisation des ressources de la nation autour de la concrétisation des étapes suivantes. La modernisation du registre d'état civil, base de données nationale. La création d'un centre de renseignement national. La formation d'un conseil national de sécurité. L'instauration d'un centre national de service civique et l'implémentation des recommandations d'un livre blanc de défense de la sécurité nationale. Léon Charles parle couramment, en plus du créole et du français, l'espagnol et l'anglais. En tant que fonctionnaire de l'administration publique haïtienne, il a été mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères comme ministre conseiller en matière de sécurité. À ce titre, il a suivi et négocié avec nos partenaires techniques et financiers tous les accords et collaborations au profit de la police nationale d'Haïti. Monsieur Léon Charles est donc un technicien doté d'une solide expérience et de savoir-faire en matière de sécurité qui est aujourd'hui appelé à prendre les rênes du recommandement de la police nationale d'Haïti. Une fonction hautement stratégique dans la mise en œuvre de la vision et de l'exécution du plan de sécurité dont on a tous besoin dans notre pays. Il est de bon ton que je vous donne lecture de l'ampliation qu'il va dans un instant remettre au nouveau commandant-chef de la police nationale. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Nommant le citoyen Léon Charles, directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État. Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Considérant qu'il y a lieu de nommer un directeur général AI de la police nationale en attendant l'approbation par le Sénat de la République de la nomination d'un nouveau directeur général, commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. Article 1. Le citoyen Léon Charles est nommé directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 12 novembre 2020 en 217e de l'indépendance. Par le président de la République, Jovenel Moïse, le Premier ministre, Joseph Joute, le ministre de la Justice et de la Sécurité, Rockefeller Vincent. Mesdames et messieurs, j'invite le ministre, le Premier ministre, également président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à remettre, également de la police nationale, à remettre au nouveau DG de la PNH l'ampliation et à prendre une photo de souvenir. Nous sommes à un carrefour de notre histoire de peuple où la sécurité est devenue un facteur déterminant dans notre devenir comme nation. Étant pleinement conscient au niveau du gouvernement de la gravité de la situation sécuritaire, nous ne saurions projeter encore pour plus de temps
cette image léthargique d'avoir les bras croisés et de livrer le pays aux bandits sans foi ni loi, aux psychopathes. Nous devons ainsi, dans l'unité et la cohésion, mettre en commun toutes nos forces pour ramener la paix dans les familles et dans nos rues. Ce changement de direction initié à la tête de la police nationale d'Haïti, c'est pour promouvoir cet élan et envoyer une nouvelle image d'unité qui nous a tant fait défaut jusqu'ici. La peur doit finalement disparaître dans le pays. Et pour cela, le nouveau directeur général que j'ai le privilège d'installer ce matin doit pouvoir non seulement incarner cet esprit de corps que réclame la population, mais aussi et surtout ramener la sérénité dans les rangs de nos vaillants policiers et policières. Actuellement, avec la situation sanitaire mondiale, Haïti évolue dans une conjoncture budgétaire délicate et doit répondre aux difficultés quotidiennes permettant d'améliorer ce climat d'insécurité et la recherche de l'efficacité en adaptant nos maigres ressources en fonction des besoins primordiaux à tous les niveaux. État de certains commissariats de police, parc automobile, équipement, bien-être, etc. dans chaque direction, services et unités. Malgré toutes les contraintes budgétaires et économiques dont nous faisons face, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous le leadership avisé du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a déjà pris diverses mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail de la police nationale d'Haïti. Au niveau du budget 2021, nous avons passé le budget de la PNH à 16,8 milliards de gourdes au lieu des 11 milliards de gourdes de l'exercice antérieur. Ceci est une augmentation de près de 6 milliards de gourdes. À lui seul, le budget de la PNH représente deux fois plus celui du ministère de l'Agriculture. C'est pour prouver toute l'importance qu'accorde le président de la République à sécuriser le pays. À côté de ce budget, un contrat vient d'être signé avec l'hôpital Bernard Meuse pour permettre à chaque policier et policière et quatre membres de leur famille de bénéficier d'une assurance pour les urgences médicales en plus de celles octroyées par l'OFATMA. 150 motos et plus d'une soixantaine de véhicules tout-terrain sont déjà livrés à la police nationale, tandis qu'une commande de 150 véhicules est en cours d'être livrée. L'équivalent de 1,5 million de dollars américains a été décaissé pour doter les policiers de nouvelles uniformes. Nous avons également lancé la construction de 690 appartements à Delma 75 au profit de nos vaillants policiers. D'autres mesures s'en suivront puisque la PNH est une priorité absolue. Je profite pour remercier le directeur général sortant pour avoir mis son professionnalisme au service de son pays.
et j'invite le nouveau directeur général, M. Léon Charles, qui a déjà occupé ce poste au sein de la PNH, à se mettre dès à présent au travail. Votre quotidien, Monsieur le directeur général, sera toujours une mobilisation autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire qu'il conviendra de mener avec méthode, organisation et compétence autour des crimes, trafic d'armes, kidnapping, insécurité routière, etc. L'autre jour, j'entendais un bandit qui a parlé sur une vidéo. Monsieur dit la privé sous nous en bourrique. Tout reni. Monsieur le directeur général, job pao, c'est dompter toute qualité bourrique qui comprennent que vous cap marcher pompé sous monde sérieux. Faut que bourrique yo suspend reni sous monde. Démêlé pour pas gon grain dans la bouche. Je dis à moi dans mi-temps mois novembre. Ça veut dire 16 novembre. Premier ministre a déclaré pral gen fête dans le pays. Moi recevoir l'ordre de président pour me faire nettoyer tout coin dans le pays. Pour gen décoration Noël. Nous pas compte qui quantité mais dans chaque cafou gen quelques clones pas ouais ça. Pour gagner assainissement et puis pour gagner soupe pour le 1er janvier, tout sous compte. Moi, comme chef d'administration, je passe l'ordre à toute délégation, toute vice-délégation, ministre intérieur, qui a fait un travail extraordinaire, ministre environnement, ministre affaires sociales, FAYES, SNGRS, pour démêler. Pour nettoyer le pays. Directeur général, moi-même comme chef CSPN, je demande comme commandant chef de la police là, pour faire disparaître ben tout le pique en coin là. Fatraille pas sous compte. La veille là, pas sous compte non plus. Mais depuis ce pique en coin là, qu'empêche la population, virer bien dans la rue, besoin tout disparaître. Et faut que moun ka pouze piquant yo tout, faut mettre hors d'état de nuire. Parce que piquant yo pas poussé pour compte yo. Yo gen moun ka pouze yo, men longueur toute la journée, y a simen de l'eau ak deuil nan mitan fami ayisyen nan. Yo pas respecté personne, policier victime, tout le monde victime dans la société. Directeur général, je vis dans cet onimix. Je vis à l'ombal matissant. Je vis à l'ontisourit tout. Village de Dieu, pourquoi pas? Je ne suis pas premier ministre pour ne pas marcher tout côté de côté dans le pays. Mon vie dans ce jacoute musique. Mon vie new look, disciple, zinglé. Septembre, impossible. Commencer à frapper dans tout le pays. Moi-même pour m'a danser tout côté. C'est sous compte tout ça y est tout. Moi envie ouais diaspora. Entrer dans le pays. À courir monter, courir descendre. Belle femme, bel garçon. Ak bikini sou yo ap mache bien dans belle plage nou gen dans pays ya. Mwen envie tande chante Noël dans toute la rue. M pa nostalgique non parce que ça pa gen longtemps m te kon tande chante Noël. Je dis à 16 m de supposé commencer tande chante Noël déjà. Mais nous tellement tristes. Nous pa ka chante Noël. La vie a dû déjà et puis ne pas même qu'à virer con nous dans la rue. Moi besoin la paix dans le pays pour travailler
cap fait pour mettre courant 24 sur 24 dans le pays a ouvert le corps. Pour tout le monde ouvert le corps dans le pays a, pour le pays a ouvert, faut faire vagabond, fermer le corps. Mais pour sa fête, tout vagabond, tout terroriste, tout volé, faut faire fermer le corps tout. Pour nous même monde sérieux, pour nous faire le corps. Déjà, moi bouquet, population bouquet, moi comme premier ministre, moi marcher dans la rue. Parce qu'il y a gardé là et puis il y a mangé petit monde toute la journée. Il y a tué grand monde, il y a tué petit, il y a tué papa. Tout le monde a crié dans le pays. Faut camper. Policiers au travail, ils sont raclés. Parce qu'il n'y a pas de répit. Laissez pas quoi des bouquins, c'est village de Dieu. Laissez pas village de Dieu, c'est au cap. Il y a pas un bout de bois, les policiers ne sont pas des bouts de bois. Ravette qui besoin grandit, sans baroche l'irrité. Il faut que poule tout près roche là depuis le sorti que manger. S'il sorti tout l'a marcher sur ou, faut craser ravette. Ravette pas marcher sur monde. Faut pilonner. Nous connaissons intellectuel toujours à réfléchir. Toujours à penser en pile bagaille. Moi lis un papier l'autre jour. Il y a un intellectuel qui écrit: il y a 124 personnes qui ont kidnappé de janvier, de mois janvier à août. Ils disent dans le même papier, il y a 1270 qui sont informels. Ça veut dire, les gens ne savent pas un nom. Personne ne sait pas si ont kidnappé. Ils n'ont pas fait rapport non plus. C'est des gens qui payent 10 000 gouttes, 15 000 gouttes. C'est pour montrer nous que le pays a lagué. Il y a un gros bandit, il y a un petit bandit, il y a un bon âme, il y a un faux âme, il y a un couteau, il y a un kidnappé de tous côtés dans le pays. Le directeur général, je suis gardé, je suis attendu là, je lis pour filo. Je lis ce vote pour un bel parcours. Félicitations. Mais après, je dis, ce n'est pas dans ce vote que je regarde encore. M'a gardé ça qui a passé dans la police là. M'a gardé ça qui a passé dans la rue là. M'a gardé figure policière. M'a gardé cohésion qui est entre policiers. M'a gardé communication entre institutions. M'a gardé leur traitement tout pour policiers sans démagogie. N'a fait ça capable, mais ça capable là c'est pour nous faire. Sécurité sont bien public, le président toujours a répété ça. Il faut que nous tous parlions le même langage. Et je ne veux pas vouloir que une institution qui est impliquée dans la gestion de sécurité dans le pays a négligé. Toute institution qui est intelligente, il faut nous coller ensemble. Dans pile citoyen, honnête, paisible, qui gagne pile pour nous dire, pas la veille. Parler avec l'institution de Wamounio. Il y a un pile pour dire. Il y a un pile de compétences et il y a une bonne volonté tout pour le pays à marcher. Policiers et policières, Haïti a besoin de vous. Vous êtes aujourd'hui les garants de notre démocratie. Le peuple a besoin de se sentir en sécurité. Ensemble avec mon gouvernement, ramenons la paix dans ce pays. Déjà pour finir, m'a dit côté gain gros vent pas gain ti la pli. Merci. Thank you.
Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.